Clique. Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous présenter ceci. Il s'agit de Ingrid Goes West, tout simplement Insta Life. Alors, c'est quoi? Vous ne connaissez peut-être pas. C'est sorti début septembre. Do you remember? J'ai pas chanté quand même. C'était Heroes in Fire au cas où. Hein, c'était September. Enfin, ok, voilà. Bon, on sait jamais comme ça. Alors, le petit synopsis. Pas après, on se retrouve pour la bande-annonce. Et pas après, on en discutera un petit peu de ce film. Donc, Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baisses? Non, c'est pas du tout les inconnus non plus. C'est Ingrid est une jeune fille fascinée par la vie de rêve qui font miroiter les starlettes d'Instagram. Ça me fait penser déjà à ce que j'ai vu tout à l'heure sur Instagram. Vraiment quelque chose de débile, mais je tairai le nom. Elle décide de s'installer à LA, Los Angeles, l'Axe. Si vous prenez l'avion pour partir en vacances, on sait jamais. Donc voilà, destination Los Angeles, c'est l'Axe. Petite parenthèse pour le slasher. Afin de s'immiscer dans la vie de l'influence qu'elle adule, mais des followers à Stalker, il n'y a qu'un pas. Eh ben nous, on va aller voir ce qui se passe derrière tous ces followers et ces Stalker. C'est parti. The couple that yogas together stays together. Hashtag perfect. True romance vibes. Hashtag yes. Perfect. Perfect. Congratulations. Oh my god, it's Ingrid Thorburn. I thought she was in an insane asylum. Live in the sunshine, swim in the sea. Hashtag California. LA is the best. I'm making a ton of new friends. You should totally follow me on Instagram. Are you an escort or something? Suspicious. Aren't you? I'm calling about a lost dog named Rothko. You're confusing her with one of your Insta fans. You are by far the coolest, most interesting person I've ever met. You're so funny. I love you so much. You're amazing. My best friend Taylor's been helping me explore my creative side. If you got lower, that would be better. You mean on the floor? Yeah. Thanks. You're the best. I need you to tell everyone you're my boyfriend. What is this? Why are you acting like this? You don't even like these people. I do like them. Is everything okay? Yeah, everything's dope. Nikki, where's my phone? Your password to your phone is my sister's birthday. I'm not a psychopath. I own you. I just want to be her friend. Are you actually insane? Voilà, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de voir ce film. Eh ben, qu'est-ce que moi j'ai pu en tirer de ce film? C'est donc Insta Life. Donc Insta Life, on peut remplacer par Instagram. Voilà. C'est un film oppressant, mais plutôt bien écrit et bien interprété par ces jeunes acteurs. J'ai bien aimé, même si ce n'est pas le film du siècle, voilà, mais bon, c'est vraiment pas mal du tout. On avait déjà vu des bandes-annonces et ça nous avait donné envie de voir ce film. Je remercie Anne Patrigeon de nous l'avoir envoyé. Donc, que dire de ce film? Eh ben, vraiment bien. Moi, je vous le conseille quand même de le voir. Alors, en piste audio, ben, on a de l'anglais Dolby Digital 5.1, du français Dolby Digital 5.1 et de l'espagnol Dolby Digital 5.1. En sous-titre, on a du néerlandais, du français et de l'espagnolito. Sous-titre pour sourds et malentendants, qu'est-ce que tu dis?
on a de l'anglais. La note que j'ai donnée à ce film est un 7 sur 10. La réalisation est de Matt Spencer. Le scénario est de David Bronson Smith. Matt Spencer. La production est de Jared Goldman. Non, c'est pas un mix entre Jared Leto et Jean-Jacques Goldman, mais c'est bien Jared Goldman. Adams Mirel, Robert Mirel. Ils en prennent plein les Mirottes d'ailleurs, les Mirel. Aubrey Plaza, Tim White et Trevor White. Avec donc Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen, Ashi Jackson Jr., Wyatt Russell, Billy Magnussen et Pom Klimentieff. Musique est de Jonathan Sadoff et de Nick Thurburn. Photographie est de Bryce Fortner. Montage est de Jack Price. Décor est de Suzy Mancini. Les costumes sont de Nathalie O'Brien. Les effets visuels de Zachary Obesch. C'est la fin du jardinage, donc on bêche. La durée du film est de 1h34. Franchement, c'est ce qu'il faut pour un film efficace et bien oppressant. C'est sorti donc chez Universal Pictures France et c'est distribué par Universal Pictures France Vidéo. En bonus, on a les scènes coupées et alternatives commentées. Voilà, donc je vous rappelle ce film, donc Ingrid Goes West, donc In Style Life qui est là et je vous le conseille bien évidemment. Allez, ciao et à bientôt.